L'astie d'hiver ou quoi? I drink till I'm drunk, yeah. Smoke till I'm high, yeah. Castle on the hill, wake up in the sky. Hey, en passant, j'ai enlevé mes tresses là, on dirait que j'ai une touffe sur la tête, mon gars. Et bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne JNT Productions où c'est qu'on est lit. Pis j'ai eu une couple de commentaires qui me disaient d'arrêter de dabber parce que le dab c'est mort là. Sous ou quoi? Ok, donc avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier tout le monde de vous être abonné à ma chaîne YouTube. Je viens juste d'atteindre le 5000 abonnés. Jamais j'aurais cru atteindre ça dans un an de temps. C'est fou, sérieux. Merci, 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 merci! Fait que pour fêter les 5000 abonnés, je vais laisser mon commentaire dans les commentaires. Dans le fond, commenter en dessous de ce commentaire-là, sacrément, ça fait beaucoup de commentaires. Mais en tout cas, commenter quelque chose que vous aimeriez me voir faire. Puis le commentaire avec le plus de likes, ben c'est ça que je vais faire. Fait que j'avais pensé à de quoi comme me faire tatouer sous ou quoi? Sous ou quoi? Me teindre les cheveux genre rose ou blanc ou jaune ou yellow. De quoi de même, fait que commenter, puis le commentaire avec le plus de likes. Ben c'est ça que je vais faire. Tout ça là, c'est pour montrer mon amour envers vous la gang. Parce que vous êtes tellement gentils. Merci. Merci, merci. Fait que là, je me lève un matin. Puis je vois ça. Tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? Pendant les 45 minutes que je déneigeais là, tout le long dans ma tête là, j'étais genre asti d'hiver, asti d'hiver, asti d'hiver. Fait que pourquoi pas faire une vidéo là-dessus. Let's go, c'est parti! Ok, fait que cette vidéo-là, c'est la suite de la série l'hostie de quelque chose. J'ai fait l'hostie de cégep, après ça j'ai fait les hosties d'exposé oraux, après ça j'ai fait l'hostie de Saint-Valentin. Puis là, c'est l'hostie d'hiver. J'ai eu beaucoup de demandes pour ça, puis ben, comme je vous ai dit, l'hiver me fait chier, fait que let's go. Premier sujet de la vidéo. Les gens qui aiment l'hiver. Fait que peu importe que ce que vous dites, il existe deux personnes pendant l'hiver, ok? La première personne, c'est la personne qui aime le plein air. Bon, je m'en vais faire du snow. Bon, je m'en vais à la patinoire. Bon, je m'en vais faire de la raquette. Bon, je m'en vais sucer des bites. Ensuite, la personne qui n'aime pas le plein air. Ben, je suis pas trop sûr que même il était quelqu'un qui aime pas le plein air, fait que... Ouais mon gars! Vous avez sûrement compris que moi, je suis du genre qui aime pas le plein air, ok? Fait que ça fait que je déteste l'hiver en hostie. Tu sais, les gens là qui préfèrent l'hiver, là, on va se le dire, y a de quoi qui fonctionne pas comme du monde dans leur tête, hein? Tu sais, le monde là que pendant l'été, ils sont genre... J'ai tellement hâte à l'hiver, là, j'ai tellement hâte de faire du ski. Bitch! Je peux comprendre qu'il y a moyen de rendre l'hiver plus intéressante pis moins plate. Je peux aussi comprendre que t'aimes ça descendre des pentes pis faire des 360 backflip no scope. Mais sacrement, comment tu fais pour préférer l'hiver? Il y a tellement plein de choses à détester pendant l'hiver, là. Que ce soit tous les petits détails, là, comme avoir à s'habiller avant de sortir dehors, là. On dirait que tout fait chier. Mais ça m'amène au prochain sujet. Le transport. Peu importe c'est quoi ton moyen de transport pendant l'hiver, ça va te faire chier. Si tu te promènes en char, c'est pas comme l'été où c'est que t'embarques dans le char pis tu te passes à go. Non, 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 non. L'hiver, là, c'est toute une game différente. Là, tu te lèves le matin, tu t'es levé un peu en retard, t'es pressé, là, tu sors dehors pis faut que tu déglaces ton fucking char. Tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? Y'a-tu de quoi de plus tannant que ça? Là, après ça, tu rentres dans le char, pis là, t'as crissement fret au cul, parce que t'as oublié de partir le démarreur à distance, ou t'en as juste pas. Pis là, après ça, là, moi, j'suis pas le meilleur chauffeur en ville, là. Loin de là. L'hiver,
l'hiver, ça me donne pas ben ben de chance, ok? On va se dire les vraies choses, là. Les routes au Québec, là, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, hein? Moi non plus, en passant. Là, après ça, on a ceux qui prennent les transports en commun. Premièrement, j'aimerais vous dire... félicitations. Sérieux, je l'ai déjà fait, là. Pis ceux qui sont capables de toffer, là, pis vraiment de prendre ça à chaque jour, là, sérieux... je sais pas comment vous faites. Que ce soit la bus de ville ou le métro pour mes chers amis de Montréal. En parlant de Montréal, là, c'est bus de ville, ok? C'est pas boss de ville. Je sais que vous dites toutes boss de ville, là, ou je vais pas prendre la boss. Mais on dit un autobus, ok? Pas un autobus, un autobus. Fait que c'est la bus de ville. Ok, on aime ça au clair? Merci. Bref! Les transports en commun. Fait que là, tu rentres dans le transport en commun de ton choix. Pis là, ils mettent le chauffage dans le piton parce qu'il fait frais que l'IO dehors. Mais là, une fois que t'es rendu, on va dire dans le bus, là, on se créerait dans un fucking sauna parce que tout le monde a leur manteau sur le dos, tout le monde est coincé, pis le chauffage est dans le max. Fait que là, tu sues comme un cochon, pis là, tu te sens dégueulasse, pis c'est de la sti de marde. Sérieux, félicitations à ceux qui prennent la bus de ville. Moi, là, pas grave. Pis aussi, là, petite dernière chose, ça pourrait être un autre sujet de vidéo, là. Mais y a-tu moyen que les hosties de bus arrivent à l'heure sacrament? Ok, prochain sujet. Le carnaval de Québec. Si vous savez pas c'est quoi le carnaval de Québec, je vous comprends très bien. Parce que c'est qui s'en va encore au carnaval de Québec? C'est pas mal juste ce que j'avais à dire. Ah, mais à force de repenser, ceux qui vont au carnaval, c'est sûrement ceux qui préfèrent l'hiver, hein? J'ai tellement hâte à l'hiver, là. J'ai tellement hâte de faire du ski. Ok, prochain sujet. Les points positifs de l'hiver. Malgré tout, j'essaie quand même de voir les côtés positifs de tout dans la vie. Ça peut pas paraître à cause de mes vidéos que je fais juste chialer, mais je vous jure, j'essaie du mieux que je peux de voir les choses positives. Bullshit! Fait que je vous le jure, là, je vous le dis, j'ai vraiment essayé de trouver les points positifs. J'ai cherché fort, là. J'ai cherché un gros 45 secondes, là. Fait qu'après ma grande réflexion... Bullshit! Je suis venu à la conclusion, là, que le seul point positif de l'hiver, à part pour mes amis les plénérieux... Bon, je m'en vais sucer des bites! Le seul point positif de l'hiver, là, c'est que le plus qu'il fait frais, le plus qu'il y a un gros rabais sur la poutine au Ashton. Pas mal juste ça, le point positif de l'hiver. Là, vous allez me dire... Ouais, mais Sandra... Tu peux aller faire de la raquette, pis tu peux aller patiner dehors. Hey! Ta gueule! C'est-tu que c'est le fun, chialer? C'est genre mon passe-temps préféré. Chialer, manger, pis dormir, là... Pas mal mon top 3 des choses que j'aime dans la vie. C'est genre... C'est un solide top 3, là. Ok, la gueule, c'est tout pour cette vidéo. J'ai une couple de vidéos très intéressantes qui s'en vient dans ces prochaines journées. N'oubliez pas de subscribe si vous voulez voir ces vidéos. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo parce que ça montre que vous aimez ce que je fais. Puis c'est toujours un peu plus encourageant. Ah ouais? Go, go, go! Laisse un like! Ben, il y a dislike à côté si tu trouves que je gosse, mais like serait un peu plus apprécié. Mais genre, je m'appelle pas Vladimir Poutine, je te dirais pas quoi faire, fait que t'as le droit de dislike aussi. Puis aussi, n'oublie pas de commenter puis de liker les commentaires sous mon commentaire. C'est que c'est pas clair. Vous allez voir, faites juste descendre des commentaires, puis le commentaire qui a le plus de likes, ben, je vais faire ça dans ma prochaine ou une des prochaines vidéos. Ok, n'oubliez pas de sourire, de dabber, parce que sinon j'arrêterai pas. N'oubliez pas de rester positif, parce que comme on dit, c'est beau l'amour, mais les bananes, ça vaut. Salut tout le monde!